À la poste, il sort. Il sort. Attention. On a passé la cible. T'es sourd, t'es resté bloqué. Eh oh, reviens. Eh vas-y, j'ai pas le temps. Alors, ça te plaît cette nouvelle vie? Tu t'es fait des nouveaux amis? Ouais, bof. Je sais que c'est pas ce que tu souhaitais. Mais ce déménagement, c'était obligé. J'ai trouvé un travail ici. On pouvait plus vivre là-bas. Franchement, je suis inquiète pour toi. Je sais que c'est dur. Moi, j'ai pas envie d'aller à la maison de quartier, je connais personne. Ça suffit. On a déjà eu cette conversation plusieurs fois. Hein. Tu vas quand même pas rester à la maison toute la journée pendant toutes les vacances. Puis tu vas te faire des nouveaux amis là-bas. Allez, demain j'ai une grosse journée et tu vas te préparer pour ton premier jour. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, maman. Toi, t'aimes pas trop le tram? Si tu veux, je connais un moyen de transport révolutionnaire. Fini les transports en commun. J'ai créé une application qui te téléporte où tu veux dans un rayon de 5 km. Je peux te garantir qu'avec ça, fini le tram et les abrutis qui traînent là-dedans. Mais c'est sûr ton truc? Oui, aucun souci. Tu as la TFT? Ouais, ça me dit bien. Tu peux me l'installer? Ok. Viens, je vais te l'installer tout de suite. C'est très rapide. Voilà, t'es prêt? Ça va être tard et ça va faire taper des barres. Ça va être vite. Ah ouais, j'espère, moi aussi. Hein. Assez les gars. Oh, il est déjà arrivé lui. Il est passé par où cet animal? T'es encore en train de déjeuner? Tu t'es levé à quelle heure? T'es censé être à la maison de quartier à 9h. T'inquiète maman, ça va le faire. Il y a intérêt. Et te moque pas de moi. Midi, c'est bon, c'est prêt? Ouais, c'est bon, tout prêt. Tu manques rien? Non, il n'y a pas de sucre. Ok, ça marche. Ethan, tu tournes bien, je voulais te voir. Est-ce qu'on peut se parler dans mon bureau? Okay. Allez, viens, suis-moi. Alors, je voulais te voir parce que je sais que tu es nouveau dans le quartier, d'accord?
Mais j'ai vu aussi que tu te mélangeais pas aux autres. Tu t'inscris jamais à des activités collectives. Il y a quelque chose qui va pas, qui te plaît pas? Non, ça va. Non, faut que tu fasses des efforts. D'accord, t'es un jeune comme tout le monde. Tout le monde a hâte de faire ta connaissance. Donc ce que je te propose, c'est que demain, il y a une exposition sur les dinosaures. Je t'y inscris. Ethan, n'aie pas peur, je peux t'aider si tu veux. Je peux t'aider à trouver ton chemin. Mais fais attention, ne passe pas à côté de ta famille. Il lâche ton portable. Ça, faut juste apprendre à les connaître. Et je t'ai vu jouer au basket, tu gères, hein. Et Mehdi, comment tu fais pour aller au SMEJ et arriver avant nous alors que tu prends jamais les transports? C'est un passage trop tendu, il vaut mieux éviter ce type de chemin. Ah bon? Eh mais il y a basket cet après-midi, inscris-toi avec nous, ça va être super cool. Ouais, ça me dit bien, merci.